Coucou, c'est l'épisode 7. Salut les cinéphages, c'est Mirej, et aujourd'hui, on vient parler de l'épisode 7 de la série de Last of Us, et qui est la meilleure série de toute l'histoire de l'humanité. Alors, je vais faire très vite, puisque cet épisode est le premier épisode de la série que je trouve vraiment nul à chier. Je suis désolé, j'ai mis mes lunettes de soleil, hein. Oui, car quand je mets mes lunettes de soleil, je suis Evil Mirej. Alors, une petite romance, voilà, une romance, ah là là, d'une mièvrerie absolue. C'était pas touchant, c'était malaisant, parce que, bah, je suis désolé de le dire, mais Bella Ramsey est complètement nulle. Alors je veux dire, là, on pourra me dire ce qu'on veut, on pourra me dire, oui, là, 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 là. Bon, écoutez, chacun ses goûts, on va dire. Là, j'ai trouvé ça, mais d'une rare violence. Réellement. Alors en plus, c'est encore un épisode où il se passe rien du tout. Donc on est censé explorer le passé. Bon, oui, c'est ce qu'on fait. Hein. Là, on explore. Elles s'en vont, toutes les deux. Voilà, elles allument un centre commercial. Elles jouent aux jeux vidéo. Elles font du manège. C'est beau. C'est magnifique. Alors on a un début d'épisode quand même où on voit Joël, très mal en point. Voilà, puis à la fin on le revoit. Et là c'est un tout petit peu mieux. On a un claqueur, ça fait plaisir. Tout chipos. Il faut quand même le dire, un maquillage qui est à la limite du ridicule, hein, j'ai trouvé. Alors on a une petite scène de pression quand même. Voilà, où dans le silence on a comme ça un petit panneau sur le côté qui fonce, et puis on le voit se réveiller, hein, le fameux claqueurs, c'est, voilà, c'est une tentative, voilà, un plan sympathique, et puis on a une petite scène de baston, voilà, qui est déjà vue mille fois, mais qui se regarde, hein, je veux dire, voilà, et puis une fin d'épisode, où voilà, où, alors, full spoiler, hein, les enfants, évidemment, hein, voilà, hop, où elle va le recoudre, et là, bah, on se dit, ah, il se passe enfin quelque chose! Et ben voilà, et c'est la fin de l'épisode. Voilà. Donc bon, écoutez, moi je vais pas faire durer les choses bien longtemps. J'ai juste trouvé ça complètement mièvre. Autant le côté woke, hein. Alors j'ai titré Walking Dead, ne m'en voulez pas, ça me fait marrer, et c'est de la provocation, rassurez-vous. L'épisode 3, à ce niveau-là, était super intéressant, super bien fait. Il y avait quand même son bon lot de clichés, mais on pouvait quelque part transcender un peu ce côté mièvre, voilà, en se disant, bon, bah, c'est la fin du monde, ils essayent de reconstituer quelque chose, il y avait une certaine forme de poésie qui était intéressante, etc. Là, franchement, je pense que ça vaut 9,8, là, hein. 9,9, peut-être. Donc, c'est relou, hein. Je suis désolé, ça fait pas avancer le schmilblick. Il reste donc deux épisodes, hein, qui seront mis en scène par le réalisateur des Nuits de Massad. J'en attends énormément. On verra comment il se débrouille. Mais, on a tout survolé, en vérité. On a survolé tout le jeu. On a survolé toute la tension, on s'est concentré donc sur l'humain, et là c'est très mal fait. C'est vraiment, j'étais là, je me disais, mais waouh, c'est ça de Last of Us, quoi. Bim. Donc, pour tous ceux qui vont me gueuler dessus, hein, encore une fois, moi j'ai pas adoré, mais j'ai aimé la série, j'ai aimé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis après,
Voilà, ça commence vraiment à s'engluer. J'aime de moins en moins, on va dire, pour arriver à cet épisode que j'oserais qualifier de catastrophique, les enfants. Je suis désolé, mais alors Bella Ramsey dans le. Oh, voilà, dans. Oh là là. Oh, je sais même pas comment qualifier le truc, quoi, mais. Genre, dans l'expression des sentiments amoureux. Là, il y a un vrai, vrai, vrai problème, quoi. C'était l'angoisse. Et sur ces bonnes paroles, ben, j'ai envie de vous dire que ce sera la fin de cette vidéo, parce que j'ai rien d'autre à dire. J'attends vraiment de voir comment ils vont se dépatouiller de tout ça, pour faire monter la tension, pour que ben, on retrouve vraiment ce qu'on a aimé dans le jeu vidéo, c'est-à-dire cette relation entre Joël et Ellie. Qui ben là, ben. Pointe Noël, elle fait ça un moment, c'est joli. Ça, comme ça. J'ai aimé ce moment, c'était beau. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jeu, on a envie d'y rejouer. Je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, hein, des remakes, des remasters, on y a tous joué une fois, mais pas qu'une fois. Deux fois, trois fois, on les refait à chaque fois. Là, je suis désolé, mais la série, on va la regarder une fois et plus jamais on la rematera, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune replay value à ce truc-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, eh bien, on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que, encore une fois, je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que j'ai un cœur de pierre? Peut-être n'ai-je pas compris là, la puissance, le sens caché des images de cet épisode 7 fabuleux, ou est-ce que, comme moi, quand même, vous êtes un tout petit peu en train de vous face-palmer, en train de vous dire que bah, on assiste quelque part à la décrépitude de ce show-là? Et est-ce que, comme moi, vous préférez intensément le jeu vidéo à cette adaptation. Eh bien, c'est à vous de jouer. C'est ici, dans les commentaires, on en parle. Et ben voilà, hein, ce sera tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et pour les épisodes 8 et 9 de Last of Us, aka la meilleure série de toute l'histoire de l'humanité. Ciao!